Alors, bienvenue à ce troisième set, un set décisif en quart de finale opposant les Libellules de Joliette à l'Impact de l'École du Rocher à Brossard. Premier service par Kayla Moreau. Superbe attaque, bien récupérée par Kayla. On envoie au centre à Océane. Belle attaque bloquée partiellement. Encore une superbe attaque, cette fois-ci, qui est envoyée dans le filet. 1-0. Les Libellules prennent les devants dans ce match. Deuxième service pour Kayla. Ballon court. Récupération, on envoie en 4. Ballon qui est envoyé encore une fois dans le filet. On a des problèmes d'exécution en attaque pour le moment pour l'Impact. Ça coûte 2 points en début de match. La récupération, on envoie en 4 encore une fois. Le ballon manque d'autorité. Kayla au centre à Océane qui va en une manchette. Passe arrière au 2. Le type qui est récupéré par Gabriel. Passe en 4 à Marianne. Marianne, le type qui est bloqué partiellement et ira au sol. 3-0. Au centre. Elle hésite un petit peu. Kayla passe en 2 à Juliette qui tente une attaque en coin qui réussit presque. Mais cela dit, ça a mis l'équipe de l'Impact dans l'eau chaude et on inscrit alors un quatrième point. C'était bien pensé de Juliette envoyée en 2 à l'opposé sur la courte diagonale. Alors, toujours Kayla Moreau sur une superbe séquence pour commencer ce match. Ou ce set plutôt. Bloqué partiellement. On envoie à Gabriel. Tente une frappe au centre qui est retournée. Superbe attaque de la joueuse numéro 3 qui fait placer en 4 qui vient marquer sur le bord de la ligne. Premier point des Libellules, 1-4. Plutôt premier point de l'Impact. Service, la numéro 3. Juliette, belle réception. On envoie à Juliette. Mais belle attaque. On donne immédiatement le ballon à Juliette. Océane, le type bien placé. Il n'y avait personne là. 5-1. Le service sur la ligne en 4 et la défensive n'y peut presque rien. Le ballon est envoyé hors ligne. 6-1. Quel départ pour l'ordre de ce troisième set. Passe en 4, belle attaque, récupérée partiellement. Et Marianne a chuté sur le jeu, malheureusement, elle n'a pas pu récupérer ce ballon. Alors, deuxième point pour l'Impact avec le numéro 10 au service, 2-6. Juliette, on envoie Océane qui renvoie en manchette. Passe arrière en 2, le type récupéré par Marianne. Camille au centre à Océane qui va d'une autre manchette. Celle-ci a semblé déjouer la défensive. Manque de communication ou peu importe, 7-2, l'Impact qui redonne le ballon à Juliette. Et ça sera donc Océane Bleu-Barrette au service. Passe au centre. Il y avait 3 personnes au filet.
On sauve cette balle. On avait donc trois personnes au filet. La 8 a seulement envoyé le ballon derrière et il n'y avait personne là. Envoie à Marie-Florence. Oh! Bien placé, Marie-Florence, par-dessus. Et temps mort technique, 8 à 3. Alors, au service, Juliette Brault. Excellent tour. Donne la difficulté à la défensive qui renvoie le ballon hors ligne. Un 9e point, 9-3. Toujours Juliette au service. Envoie à la même place. Donne le ballon, Marianne, à Kayla qui envoie à Gabriel de l'autre côté. Belle attaque sur la longue diagonale. On renvoie. On met la défensive dans l'eau chaude et on marque un 10e point, 10-3. Juliette Brault au service, c'est une belle séquence. Communication difficile entre les deux joueuses. Juliette passe au centre à Marie-Florence. Belle attaque sur les doigts de la bloqueuse et le point marque, 11-3. On joue avec beaucoup d'aplomb du côté de Juliette. Toujours Juliette avec une séquence de 4 points. Malheureusement, le ballon est envoyé dans le filet. On donne le ballon à l'Impact qui tentera une remontée avec la numéro 6 au service. Ou plutôt 5 au service. 4-11, l'Impact tentera une remontée. On a appelé le ballon trop lentement et on s'est nué en défensive. Le point marque 5-11. On s'en a avec une réception difficile qui est envoyée hors ligne. 6-11. Difficulté à s'entendre sur le terrain. Camille, Kayla. Passe à Gabriel qui tente de défoncer le bloc. Ça réussit, le ballon tombe au pied de la bloqueuse et on prend le service, 12-6. Gabriel Ricard est au service. Le ballon est envoyé hors ligne, 7-12. 5 points d'écart entre les deux équipes. Cela dit, l'Impact n'a plus beaucoup d'espace à manœuvrer. Camille avec la belle réception. On envoie 4 à Marianne. Passe au centre. Kayla à Marie-Florence. On envoie Juliette en fond de terrain. Passe en 4. Belle réception de Gabriel. Marianne avec l'attaque qui est reçue et envoyée dans le filet. On a comme abandonné pour certaines joueuses, pourtant le jeu continuait. 13e point pour Juliette, 13-7. Avec un peu moins d'hésitation, on aurait pu sauver cette balle qui a semblé
figé dans le filet. Marie-Florence Marchand au service. On envoie le ballon encore une fois dans le filet, malheureusement. 8 à 13. Encore 5 points de différence entre les deux équipes. Le numéro 4 pour l'Impact. Passe en 2 à Marianne. On renvoie en 4. Belle attaque, il touche le bloc. 9 à 13, la remontée se poursuit pour l'Impact. Passe au centre à Océane. Réception facile. On envoie en deux. Belle attaque est envoyée hors ligne. Ça a passé proche. La ligne était belle. 14-9. On a donc 5 points de match du côté des Libellules. Une faute a été appelée au filet. On vient de sauver une balle du côté des Impacts, on doit en sauver 4 autres. On envoie au centre Océane. Attaque puissante. Et c'est ainsi que le match se termine sur une attaque d'Océane Bébarrette. Bien joué les filles, on passera donc en demi-finale.